Les amis, l'heure est très grave. Si vous le savez pas, depuis quelques temps sur YouTube, il y a un personnage qui hante tout le monde. Johan, Tom et Angela. Aujourd'hui, on va aller sur toutes les applications de votre enfance et on va voir si elles sont maudites. Let's go! Donc, on va commencer par la base des bases. Mon Talking Tom. Ah ok, il vient de se rendre compte que maintenant tu viens littéralement de faire ses besoins en pleine vidéo. Lui il a pas le temps. Eh frérot, 12. Les gars, c'est incroyable, non, je sais. Voilà qu'on peut le mettre KO. Alors déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va laver le chat. Apparemment il a faim, vous inquiétez pas, on va lui donner à manger. Vous allez voir, vous allez voir. Dans cette vidéo on va pousser le jeu à ses limites. Oh, j'ai gagné un niveau. Let's go, je suis niveau 4. Oh, il grandit. Il a juste pris du bide. Non mais vous foutez de moi. Il a absolument pas grandi du tout. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va te nourrir parce que t'es clairement en train de crever de faim. Ça tombe bien parce que juste avant la vidéo, j'ai acheté 10 yaourts. Regardez comment il est content, hein. Tu l'aimes ton yaourt, tu l'aimes. Mange-le encore. Gros, on va voir si il peut devenir un yaourt si je donne beaucoup de yaourts. Encore. Ah, genre t'en veux plus. Mec, ah voilà, ok. Là, il est rempli de yaourts. Un petit croissant, voilà, c'est mon côté français. Et pour le dessert, ah tu le veux, hein. Ah tu le veux, tiens. Pour le dessert, on lui a donné des gaufres. C'est absolument le pire repas. Regardez, même là. Mais frérot, mais t'es en vidéo. Mais arrête de lever la main, y a pas de questions à poser. Alors, c'est ma vidéo, c'est un peu moi qui décide. Ah, c'est ta vidéo, je savais pas. J'ai une tête de tub. J'ai une tête de tub. Ah, c'est toi qui le dis, t'es trop chaud. Les gars, c'est incroyable. J'ai envie de te tuer. Mais t'es sérieux, mec? Mais c'est quoi ton problème? Tom, est-ce que t'es amoureux de Angela? Oui, je lui fais du sale. Quoi? Mais attends, mais il est sérieux, Tom? Mais il a complètement pété un câble. Ok, attendez, on va voir si on peut lui poser d'autres questions encore plus dingues. Est-ce que tu as déjà fait un crime? Oui, mais je peux pas en parler parce que c'est sombre. Quoi? Non, mais attendez, le gars, il est en train de nous dire des vraies dingueries. Moi, je vous dis, ce truc est un démon. Est-ce que Tom, tu es un démon? Oui. Quoi? Gros, c'est vraiment un démon! Non mais attends, non mais là ça commence à faire trop peur les gars, je le sens pas. Pourquoi il me répond? D'habitude il répond pas. Faut qu'on lui achète de la nourriture. J'ai un truc à tester. Là il y a les cristaux ça vaut de l'argent. Donc là concrètement c'est toute la bouffe qui vaut de l'argent. Donc on a le piment le plus fort du monde, les haricots qui font péter. C'est très mature comme jeu, c'est extrêmement mature. Mais on est sur la chaîne de Rayton, allez. On a un chaudron avec tout sauf de la soupe. Et on a ce cocktail qui a l'air absolument ignoble. On peut lui acheter 1000 yaourts si vous voulez mais bon on va le faire, ok j'ai compris. Regardez mon caddie, il y a des yaourts partout, c'est pas ouf. Ok, et maintenant on va acheter un piment très fort. Ça, je sais que l'haricot ça fait juste péter, je crois. Oh, regardez sa table du bonheur. À part les yaourts, il y a tout qui donne envie de mourir. Ok, on va tester un truc. Je vais lui donner. Alors déjà. Le mec, c'est vraiment littéralement une tête à claque. Bon, mon ref, voilà, relève-toi, mange ce piment, t'iras beaucoup mieux. Comment ça, tu veux pas? Bois ça. Bois ça. Bois ça. Bois ça. Later. Je le ferai pas. Mais pourquoi? Oh! Il a fait une tête Mr. Freeze. Et un petit rototo. Bon, moi j'avais ce problème là quand j'étais petit. Genre, quand tu manges une glace, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Une glace ou même de l'eau très froide, vous savez, le soir quand on boit de l'eau à 3h du matin, c'est le meilleur moment, on le sait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir le cerveau congelé? Genre vraiment, vous vous sentez devenir un glaçon. C'est horrible comme sensation. Tapez glaçon dans les commentaires si ça vous est arrivé. Oh, elle a donné le piment. Genre, il crache du feu! Est-ce que tu es un démon pour de vrai? Oui, je suis un démon. Ok, bon, là, il le dit, en fait. C'est beaucoup plus simple. Danse pour moi, Tom, le chat, danse! On n'a pas testé de lui donner les haricots. Allez, c'est sûr, il va lâcher un paix incroyable. Vous voyez, Tom, c'est un démon. Et ben, regarde ce qu'on va faire. Oh, il dort. Il fait des rêves. Il rêve de pub. Mais c'est les pires rêves. Là, tout ce qu'on vient de tester, c'est Talking Tom 1. Et vous savez quoi? Juste pour vous, j'ai téléchargé Talking Tom 2. Et on va voir s'il est encore plus démoniaque que le premier. Mon année de naissance. À vous de deviner dans les commentaires. Moi, je dirais pas quand je suis né. Oh, il y a une cinématique. Le budget. High budget, les gars. Oh non, c'est Tom. Ce seum est tellement immense. Il a l'air mignon comme ça. Mais c'est un démon, je vous le dis. Ses yeux, ils sont verts, remplis de culpabilité. Allez, sors de là. Voilà, il commence déjà, il est déjà tombé. Regardez ses yeux. Il peut les laisser ouvrir. Attends, que je peux le faire voler? Mais c'est bon, c'est un démon, il est possédé, regardez. Ouais. On va voir si on peut faire bugger le jeu. Ah, bon, là, juste fait mal. Ah, il a pas l'air d'avoir des problèmes avec ça. Ah, son ventre. Ah, ton ventre a faim. On va le nourrir de coups. Attends, est-ce qu'on peut lui donner à manger des trucs vénères? Ah, il a besoin d'aller aux toilettes. Fonce. Attends, les chats, ça a vraiment une toilette comme ça? C'est quoi ça? Ouais, c'est lui le démon, c'est lui qui le réveille en pleine nuit. Moi, tu me fais ça en pleine nuit? Voilà. Attends, il a un avion. Mais il est devenu riche, en fait, entre-temps. Ah ouais, c'est quand même en partie en chouquette, là. Mais c'est incroyable. On a un panier cadeau. Oh, moi, je veux le piment, gros, je veux le piment. Je veux qu'on le rende fou, les gars. J'aime une tenue d'attraction. Mais qu'est-ce qu'il est sexy avec sa petite tenue. Essayez. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis beau. Regardez ce fessier, il a twerké. Tom, pourquoi t'es sale? Oh, il a capté qu'il était sale, il a fait ça. Tom, pourquoi tu es étrange? Pourquoi tu es
tu es étrange. Non, c'est moi qui t'ai posé la question, parce que moi tout le monde sait pourquoi je suis étrange. C'est à cause du café. Mais toi, pourquoi t'es étrange? Pourquoi je suis étrange? C'est à cause du café. Mais toi, pourquoi? Non, arrête de me copier ma personnalité. C'est toi qui es étrange. Moi, j'ai rien fait. Tu sais quoi? On va aller manger un piment. Et toujours plus. Carrément, genre, j'ai vu une personne manger un piment et sauter. Oh mec, on peut lui donner un oignon dégueu. Oh, carrément, il a tué son pote. Qu'est-ce que tu aimes manger? J'aime manger ton âme. Quoi? Le gars, il veut manger mon âme alors que c'est un chat, je comprends pas. J'ai trop peur. On va lui donner un sushi. Parce qu'avec un sushi, il y a pas de sushi. Non, ça, il a pas vomi. On peut lui acheter 25 piments. On dépense tout notre argent dans le piment. Ouah, la bouffe stylée, elle est si chère. C'est limite plus cher un sushi dans ce jeu qu'un sushi dans la vraie vie. On va lui prendre un pot de fromage aussi, pour le calcium. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc spécial avec les bâtonnets de glace, donc on va en prendre un. C'est le bâtonnet le plus cher de France. Je commence à avoir un mauvais pressentiment, les gars. Derrière les potes, le projet secret est toujours en cours. Ça, c'est le carnet des abonnés. Qu'est-ce que je fais avec le carnet des abonnés? En fait, je marque le nom des abonnés de la chaîne qui se sont abonnés suite à cette vidéo. Et ce carnet, à la fin de l'année, quand il sera rempli, je le lancerai dans l'espace. Peut-être que les aliens y trouveront le carnet et ils verront vos noms. Donc là, actuellement, on a Lina, par exemple, avec 5A qui est dans le carnet. On a Lina, Dream Red et Crypto le BG qui sont maintenant dans le carnet. Si tu veux être le suivant à être marqué dans le carnet, merci à Team Rayton. Let's go les gars, j'ai une voix, il se passe quoi si je lui donne beaucoup de fromage? Un fromage. Ah ça il s'en fout. On peut en donner à l'autre. Ouais bon ça pue. Les gars, on va lui donner juste des piments. J'en ai une voir si on peut le transformer en homme de feu. Ouais, les flammes deviennent de plus en plus puissantes. Elles durent légèrement plus longtemps à chaque fois. Attends, on va le donner à lui. Ah oui, carrément, elle est devenue rouge. Je crois qu'on va le tuer. Encore. En vrai, ça se trouve, on peut posséder plus celui-là que celui-là. Hein. Oh les gars, c'est incroyable. Ah, il a peur. Il veut plus en prendre. Mais on peut plus l'arrêter. Bon, lui, Tom, il en est dégoûté, lui. Ah là, il peut pas être plus chaud que ça, là. Là, il est vraiment rose, quoi. Il se passe quoi si d'un coup, on donne le bâton de glace? Parce que là, le pauvre, il est en train de mourir. Lui, il a rien demandé. Ok, là, il meurt de froid. Super. Bon, Tom, faut qu'on parle. C'est quoi ton plus gros secret? Il vole l'âme des enfants. Et il attire les mouches aussi. Il vole l'âme des mouches en tout cas. Il se passe quoi si on clique sur ça? Ok, on apprend à faire des milkshakes, c'est super. Attends, mais ça on dirait totalement le Bermuda de Patrick l'étoile de mer. Tiens, on va lui en donner. Il a grandi de 5 mètres, ça n'a aucun sens. Ah, et on peut toujours lui mettre la pression bien sûr. Le pauvre, c'est sûrement le chat qui prend le plus cher au monde. Moi, je déteste la maltraitance animale. Genre, vous le savez si vous me suivez sur Twitter ou sur Twitch. Genre, je suis toujours en train de défendre ça. Mais là, par contre, j'en ai rien à faire. Parce que Tom, c'est un démon. Attends, il se passe quoi si on le lance en l'air? Et là-haut? Ok, là, il tombe juste de plus en plus fort. T'as l'autre qui se fout de lui. Et si on fait sur le côté? Et plus fort? En fait, à chaque fois, il revient vite quand même. Hein. Le pauvre. C'est exactement ça qui manquait. Ouais! Oh, et lui aussi? Ah, lui il est jamais revenu. Mais regardez toutes les mouches, tiens, le gars il pue quoi. Bah alors Tom, tu pues. Tu ronronnes et tu pues. Je sais plus trop quoi penser de tout ça. Mais en tout cas, on a très bien débunk que Tom, c'est clairement un gros psychopathe qui séquestre des enfants, c'est tout ce qu'on a compris. En fait, si tu lui poses certaines questions, au bout d'un moment de jeu, je pense qu'il te répond, tu vois. Mais il faut vraiment poser les bonnes questions et beaucoup articuler. Maintenant, regardez ce jeu, Talking Juan. Et là, les gars, dites-vous, on va même pas y jouer. Parce qu'on va jouer à Talking Juan Evil. Celui-là, il va être vraiment, vraiment horrible. Déjà, juste l'interface. Le jeu, il fait vraiment peur. Play Custom Option. Ah, les options, c'est de regarder une pub. C'est horrible. Attends, c'est quoi le jeu? Wesh, c'est quoi ça? Les gars, ils font peur. Attends, il se passe quoi si on s'approche d'eux? Ouais, non, attends, mais j'ai pas trop envie. Déjà, on a un gun, je crois. Alors, on peut sauter. Et on a un gun qui ne fonctionne pas, hein. Physique gun. Oh, c'est trop bizarre. Donc, le physique gun, ça sert juste à toucher les objets. Et autour de nous, t'as plein de Juan, mais en mode démon. J'ai pas l'impression qu'ils nous attaquent, hein. C'est un jeu très étrange, les gars. Ça, c'est un jeu démoniaque. Quoi? Ils sont tombés? C'est moi qui les ai fait tomber, je crois. Les gars, je peux les faire tomber, c'est trop bizarre. Et est-ce que après, je peux utiliser la physique sur eux? Oui. Et si je laisse longtemps, il se passe quoi? Pas grand chose de ce que je vois. Ok les gars, je crois qu'on est tombé sur un jeu qui mériterait un Oscar tellement il est étrange. C'est juste ça, y a rien d'autre. Attendez, on va voir si on peut faire tomber le dernier. Ça se trouve si on fait tomber les 5, y a un historique secret. Mais honnêtement, j'ai un petit doute quand même. Mais au moins là on est sûr par contre que lui c'est un démon. Parce que vu ses yeux, ça va être difficile de me faire croire qu'il mange des fruits et des légumes lui. Hein. Il est aussi fin que moi. Moi les gars, dans la vraie vie, je fais 50 kilos. Il est aussi fin que moi, c'est une feuille à 4. Attends, je peux le prendre avec moi. Bon les amis, ce jeu là par contre était vraiment très décevant quand même, on va pas se mentir. Et bourré de pub. Pouf, on est le lendemain. Donc c'est pour ça que j'ai pas les mêmes vêtements. Les gars, je me suis rendu compte d'un truc, on a pas jouer à tous les jeux bizarres en fait. Il y en a encore d'autres. Et du coup là le truc c'est que j'ai trouvé un jeu, c'est Ben. Comment tu vas Ben? Ça va? Ça va. Attends, non, c'est incroyable. Je suis un gros kleps. Je suis un gros kleps. Ah oh, mec, il me fume. C'est bon, il est incroyable. Je suis un chien dodu. Je suis un chien dodu. Il est trop drôle. Je suis le plus beau chien de tous les temps. Ouais, bah dose frérot, ouais. Le melon qu'il a. Bon alors les gars, c'est trop trop bien parce que lui il a vraiment une voix d'ogre. Tu vois, c'est un chien mais avec une voix d'ogre. On va faire un essai. Merde, non, je voulais pas te taper, désolé.
Alors là par contre j'ai pas fait exprès. On peut lui donner de l'alcool. Mais non mais c'est pas bien, faut boire avec modération. Mais il fait quoi? Mais c'est un chien frérot, qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi tu bois de l'alcool? Je suis bourré. Rebois. Mais en plus regardez comment il pêche le truc, genre vraiment il le jette. Mais c'est horrible. Mais t'es pas gros. Je suis sûr ses yeux ils peuvent sortir de leur orbite. C'est violent comme jeu, mais c'est un milliard de fois plus violent que Tom. Ouais bon c'est carrément plus violent que Tom. Oh à manger. Ouais oh, il fait du bruit lui quand il mange. Apparemment en Asie, dans certaines régions, quand tu fais beaucoup de bruit quand tu manges, ça veut dire que t'as apprécié. Mais lui mec il a tellement apprécié sa nourriture. Quoi il fait de la science. Attends c'est quoi ça? Ok mets la bleue. Ok. Je sais pas ce qu'on est en train de faire en fait. What? Ça commence à faire peur. Ok mets celui-là, mets le bleu, le vert. Non mais les gars vraiment, avouez ça c'est exactement ce qu'on aurait voulu au collège quand on avait nos cours de physique chimie. Vraiment mettre deux fioles et qu'il y a un truc incroyable qui se passe. Tu voyais ça que aux États-Unis, tu sais, ça explosait des murs et tout dans les films. En France nous on avait une sorte de petit sable et quand tu mettais de l'eau le sable il devenait bleu. Et on était en mode waouh. Attends il se passe quoi si on met le jaune et le bleu? Ça donne du rouge. Oh ouais ok bon, toujours plus. Les gars en vrai vous savez quoi? Ce jeu là est mon préféré jeu vidéo. Ah carrément tu peux jouer aux autres jeux dans le jeu. Ouais bon dosé par contre. Y'a son téléphone, réponds. Ben. Tu vas bien? Yes. Oh, il répond, il a dit yes. Est-ce que tu manges mon âme? Quoi? Mais il est sérieux. Tu te fous de moi? Hey, frérot. Hey. La dernière personne qui m'a dit ça, elle a disparu. Non. Je crois, mon ref, tu sais pas à qui t'as affaire, hein. Donc, Non, mais arrête. On va faire un truc. Non. Bon, moi, il a dit non. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu aimes ma copine? Non. Ah, ok, au moins, il est honnête, ça va, ma copine, il les touche pas. Est-ce que tu aimes ma coupe de cheveux? Je vais vraiment mal le prendre. Je te jure, je suis au point de balancer l'enceinte. Tu es un chat? Non, il aime pas les chats. Yes. Est-ce que les gens doivent s'abonner à ma chaîne? Non. Quoi? Mais non, mais t'es sérieux? Mec, t'avais juste à dire oui et on aurait gagné plein d'abonnés. Montrez à Ben qu'on est plus fort que ça. Abonnez-vous tous. Tu rigoles, mais tu connais pas ma communauté. Ma communauté, quand ils ont envie, ils te détruisent. Yes. Ah, il a peur. Mais là, il a reconnu que oui. Mais attends, mais c'est trop bien. Attends, quoi? Tom et Ben, ils ont fait un feat. Même lui, il est choqué. Même lui, il est choqué. Mais attends, mais il se fout de sa gueule, mais c'est incroyable. Ouah. On peut les pousser, c'est trop bien. Ouah. Attaque. C'est bon, je suis content, c'est le meilleur jeu. C'est parfait pour cette vidéo, les gars. Attaque, glyph. Ah, faut payer? Faut payer pour attaquer? Ah, bah, un point pour Ben. Lui, c'est gratuit. Oui. Mais il vient de se passer quoi? Pourquoi il s'embrouille? Il s'est passé quoi? Pourquoi il s'embrouille? Mais je te réponds de la question. Mais arrêtez de vous embrouiller, les gars. Vous étiez potes à la base, vous étiez amis. On dit souvent, ouais, les amitiés chien-chat, ça tient pas. Mais vous étiez amis. Mais arrête de bailler, toi. Et toi aussi, voilà, faut remettre à votre place un jour, là, les animaux. Allez, bagarre générale. Ça part en bagarre. Quoi? On peut partager la bagarre. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour entrer dans le carnet des abonnés, de mettre le code créateur TheRayton dans la boutique Fortnite, ça supporte beaucoup les vidéos et ça permet de payer les équipes, donc merci à ceux qui le font. Code créateur TheRayton, et regardez mes autres vidéos que ça finit juste ici. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao!